J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dernier jour de l'année pour nous. Ce soir, on va fêter la belle année. Je suis avec ma mémère, Lily Rose. Et Dan est resté parce qu'il est malade. Complètement malade. Non, je chante parce que la nuit, on a juste vu que le soleil était remplacé par la lune. Et par la suite, la lune par le soleil. Voilà, dormir, c'est pour les faibles. Donc, oui, Dan est malade. Fièvre, tous. Alors fièvre, pas trop cette nuit. Franchement, ça a été. Mais tous à en vomir, en fait, tellement ça le fait tousser. Donc ça, c'est pas cool. Et bah, il boit beaucoup. Et comme il n'a encore toujours à manger, on a essayé de le faire manger ce matin. Anthony m'a dit non, il a pas voulu. Il a bu du jus d'orange. Donc je me dis qu'il a au moins pris un petit peu d'énergie. Mais bon, c'est chiant. C'est chiant. C'est la première fois depuis septembre qu'il est malade. Il a eu le pied main bouche, mais je considère ça comme voilà, un truc qu'on attrape, comme on peut attraper la varicelle. Sinon, en dehors de ça, il n'a pas été une seule fois malade. Même de tout l'été. Je crois même pas qu'en juin, il était malade. Ça fait longtemps qu'il n'avait pas été malade. Franchement, je dis, c'est trop bien. Oui, mon cœur. On y va? Papa. Papa, il n'est pas venu, il est resté avec Eden, mon cœur. Donc, bah, voilà, là, on va faire les courses du jour de l'an. Et, et acheter deux petits paquets. Parce que ce soir, voilà. Parce qu'il y en a, effectivement, vous avez vu dans le vlog d'hier, hein, les enfants ont eu beaucoup de cadeaux. Mais le souci, c'est qu'on a une très grande famille. Vraiment, hein, c'est-à-dire que en faisant même au plus petit, il y avait au minimum 10 paquets. Et encore, je compte pas les amis qui ont pris aussi des cadeaux qu'on va s'échanger ce soir avec les enfants. Je suis là. Et même pourtant une partie de la famille, on leur avait dit bah donnez plutôt de l'argent, on mettra sur leur compte. Mais ils ont quand même tenu à prendre des paquets, donc du coup voilà, c'est compliqué de limiter. Là on enchaîne avec l'anniversaire. On va être dimanche, je crois, 20 adultes sans compter les enfants. Parce que là en plus on a fait famille proche et amis. Et ça va être. Et amis proches, enfin, même encore, il y a pas mal d'amis proches qui n'ont pas pu venir. Et j'ai fait waouh! Non, mais un jour, il va falloir qu'on loue une salle à force, quoi. Tellement l'entourage est grand, quoi. Mais c'est bien, ça veut dire qu'on a des gens qu'on aime et qu'on. Enfin, voilà, c'est très positif. Mais alors, pour le coup, niveau paquet, waouh! Bref, mais du coup, il faut que j'en trouve un dernier pour un petit ce soir qui est là et que le Papa Noël a eu un peu de retard. Maman! Voilà. Oui! Tu fais des bisous? Je t'aime. D'amour, ça devient long là. Oh. Mais elle a été d'une patience. On a fait une petite trésor aujourd'hui. C'est la première fois qu'on fait. Enfin, c'est pas la première fois, non, mais ça fait rare qu'on en mette. Et du coup, on a un peu galéré à trouver surtout ça là, les bouteilles. Parce qu'ils se voulaient des cépages particuliers. Autant vous dire que moi qui ne bois pas d'alcool, je n'y connais rien. Et j'ai un monsieur en rayon qui faisait ses courses qui a pris le temps de me renseigner. Franchement, c'était super sympa. Hop! Et puis j'ai cherché que du local, enfin du local déjà du France, genre mes clémentines. Je suis trop contente, je les ai trouvées, c'est des Corses. Et elles sont sans traitement chimique. Parce que tout venait d'Espagne sinon, les amis. C'était galère. Je vous retrouve pour une tête, je ne sais même pas quelle heure il est. Peut-être midi et demi. Eden, apparemment, s'est endormi pendant qu'on était partis. On a réussi à lui faire manger une compote. C'était tout ce qu'il a mangé depuis hier. Moi je m'inquiète pas, enfin je m'inquiète pas. Il se laisse pas mourir de faim, c'est juste que bah là il a pas faim, donc moi je vais juste surveiller le poids si je vois que ça continue, parce qu'Eden est en ma morphologie, s'il mange pas pendant plusieurs jours, il va perdre très vite du poids, puis un enfant voilà, le poids à perdre, faut faire attention. Je vais vous montrer tout ce que j'ai pris pour Louis. Donc je vais prendre une petite pêche au poisson comme à Lily Rose. C'est pas la même marque parce que Lily j'avais pris à Lidl et que Lidl n'avait plus leur jouet en bois, sinon je l'aurais repris la même. Du coup celui-là c'est celui de chez Janod avec les petits poissons. Alors bon, après qu'ils remettent forcément dans la forme, ils s'en prend un petit peu par principe, mais vous savez, c'est juste le fait que ce soit une canne à pêche chez Manté qui les attrape. Voilà, je lui ai demandé un peu ce qu'elle voulait, elle m'a dit bah prends des choses que Lily Rose adore, parce que voilà, comme ça au moins ça peut donner des idées. Comme il est légèrement plus petit, théoriquement c'est censé lui plaire. Bon, ça je pense que c'est un incontournable, tout le monde aime, enfin, tous les enfants aiment. Et j'ai pris ceci, c'est aussi de la marque. Ah non, c'est pas la même marque, c'est la marque Melissa et Doug. Je ne connais pas. Alors, ça c'était à 14,99€ et ça c'est à 18,99€. Donc, c'est les puzzles un peu plus évolués parce que les une pièce, moi ça y est, Lily elle les fait depuis un moment, elle sait même faire les deux pièces.
Et du coup, j'ai demandé à Elise, parce que pareil, j'ai demandé est-ce qu'elle avait ça, et elle m'a dit que non, elle avait juste un seul truc puzzle, une pièce, après elle avait pas. Donc je me suis dit, ça peut être pas mal. En plus, c'est incastrable. Alors, ils sont plus ou moins complexes. Il y en a qui sont en 3 pièces, il y en a qui sont en 4, 5 pièces. Ça va pas au-delà de 5 pièces, 1, 2, 3, 4, 5. Vous allez me dire, c'est un peu compliqué. Ils disent dès 2 ans, ils n'ont pas tous les deux 2 ans. Mais voilà, au lieu d'acheter toujours un jeu qui va servir dans la seconde, c'est pas forcément utile, je trouve. Voilà, parce qu'il a déjà eu pas mal de choses de ce que j'ai pu savoir par les parents, donc ça je pense que ça peut être pas mal pour se poser avec l'enfant, à faire avec lui, c'est au moins évolutif par rapport à ce qu'il a déjà. Donc voilà, du coup j'ai acheté ça parce que je n'en avais plus et je vais empaqueter le tout. Enfin, si pour être honnête avec vous, je ne le montre pas mais je vais le montrer, j'ai pris en fait exactement le même pour les roses aussi, pas qu'elle manque de cadeaux, mais en fait ma reine d'Eden ce soir lui offre son cadeau d'anniversaire de Noël. Elise a reçu que le cadeau de Eden et pas celui de Lily Rose. Donc du coup elle m'a dit qu'elle le donnerait l'anniversaire d'Eden celui de Lily Rose. Mais du coup si Louis offre deux paquets, Eden deux paquets et que Lily ouvre rien, ça m'a fait mal le cœur. Et comme nous on avait que des... c'est mamie qui a des puzzles de pièces chez elle et pas nous. Nous on a que beaucoup de pièces. Je me suis dit que de toute façon ça servirait toujours. Voilà, alors c'est une question de choix. J'ai donc pris le même pour Lily Rose. Bon, petit point, emballage cadeau fait d'ailleurs un de mes paquets est vraiment absolument horrible. En même temps, les emballages quand ils sont pas carrés rectangles, ils sont genre arrondis ou quoi, je galère au plus haut point. Puis au final, le papier cadeau que j'ai pris était vraiment pas pratique de tout. Et en fait, il se déchire pas. Donc du coup, je me dis que ça va être rigolo tout à l'heure de les voir se battre avec les paquets. En fait, si je note pour l'année prochaine que du papier cadeau, papier comme en porte non, et pas un truc un peu plastifié. J'ai pas fait attention quand j'ai pris tout à l'heure. Ça va être la galère. Bref, j'ai une machine quincée. J'en ai une, enfin deux sur un étendage à plier. Donc un étendage à plier plus l'autre à étendre. Changer de drap de mon lit. Ranger la maison. J'ai même pas du tout réfléchi à une table pour ce soir. Ce sera basique. Hein. Franchement, je crois pas qu'on va se prendre la tête pour ça. J'en ai une qui est... Elle est où cette table? Elle est dehors toujours. Il faut que je nettoie, que je rentre parce que sinon il y aura pas assez de place pour tout le monde sur la table. Pour ce soir. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse lorsque je réfléchisse à ma tenue du soir, parce que je n'ai toujours absolument aucune idée de ce que je vais porter. Ce n'est pas un drame. Pour le coup, je vais essayer d'habiller Eden, ne serait-ce que habillée et pas qu'en pyjama, parce que pauvre, je ne vais pas le laisser en pyjama quand même pour ce soir, même si j'avoue que comme tout le monde va parler en 19h-19h30 et qu'ils sont plutôt un peu malades, je ne sais pas s'ils vont rester éveillés tard. Donc bref, on verra un petit peu tout ça au fur et à mesure. Déjà les courses c'est fait. Je vais finir le ménage. Si, j'ai un montage vlog aussi, je vais le faire tout de suite maintenant. Sinon demain, enfin pour vous, hier, vous n'aurez pas eu de vlog. Ça peut être pas mal quand même. Surtout que c'était celui de l'anniversaire d'Eden. Donc ça, c'est un de mes vlogs préférés que j'adore monter. Les anniversaires, les Noëls, les vacances. C'est ceux que je garde bien précieusement. Bon, les enfants sont réveillés de la sieste, mais Eden n'est pas toujours en forme. Donc on a mis sa petite couverture là. Lily Rose, elle s'est allongée à côté de lui. Et alors au début, c'était rigolo parce que Lily Rose monte sur Eden et elle faisait « Maman, Lily est m'embête, c'est une coquine !» Bon, il est 5h30, je me suis changée. Pour ce soir, j'ai donc mis un short taillotte avec un petit nœud, une petite blouse comme ça, avec tout le devant là qui est en nœud, avec le petit nœud dessus, et une petite veste, parce que non plus, il fait pas chaud. Enfin, personnellement, j'ai frais. Je vous vlogue en coupé, mais comme Eden n'est pas très en forme, vloguer plus, c'est compliqué. Il passe là, il était cet après-midi dans sa chambre, il s'est même rendormi. Est-ce que du coup je vais donner du stodaline, gros c'est de sirop pour la toux homéopathique, parce qu'il est encore beaucoup trop petit pour du sirop pour la toux, parce que le pauvre il tousse cette nuit, ça lui a provoqué un vomissement, un gros mais un petit, mais bon bref, du coup à cause de la toux. Donc là ça lui avait permis de se rendormir, parce qu'en plus ça a tendance un peu à sécher, ce genre de sirop ça vous pouf. Donc voilà, et là on a dû lui redonner, donc ça c'était en début d'après-midi que je vais donner ça. Et là il est 17h et on lui a donné il y a une demi-heure du Doliprane, ce qui a la fièvre était... Non même pas, on lui a donné il y a un quart d'heure Doliprane, parce que la fièvre remontait bien, là il commençait à de nouveau être bien chaud. J'avais même pas besoin de mettre le thermomètre, enfin je voyais, il me faisait chauffage sur moi, limite il me tenait super chaud. Donc j'ai dit là c'est sûr, il a beaucoup trop chauffé, donc... Donc Doliprane, la mémère, juste elle est fatiguée et un peu prise quoi, mais moins que son frère. Voilà, il fallait bien qu'il soit malade une fois dans la fin de l'année. Bref,
Et puis un peu de rangement aussi dans cette maison petit à petit. Je fais pas de nettoyage parce que de toute façon il y aura du monde ce soir, donc nettoyer mon sol ou quoi ça ne sert à rien. Ça serait faire ça pour du flan, ça c'est quelque chose que je ferai demain. En fin de journée ou après-demain suivant l'état de fatigue de demain. Parce qu'on va quand même fêter le jour de l'an ce soir. Donc ça va être cool, j'ai hâte. Les gens ils arrivent pas avant 19h je pense, vers 19h on va les voir apparaître. Bon il est 19h, les enfants sont en train de se poser avec leur père, c'est fièvre, pas bien. Ouh. Encore Lily, c'est juste très légèrement de la fièvre et après la vie normale, elle a juste légèrement, elle, la crêpe et un peu de fièvre. Et Ben, c'est puissant, c'est pas possible quoi. Du coup, je fais des ravioles parce que je sais qu'il les mange bien. Lily, je m'inquiète pas, je sais qu'elle a appétit, mais Ben pas du tout. Donc j'ai espoir, je lui demandais, tu veux manger? Mais non, pas faim. Donc je garde quand même un petit espoir qu'il ait faim d'ici là, 2 minutes. C'était il y a 5 minutes quand je faisais bouillir l'eau. Peut-être que les ravioles vont lui donner envie. Voilà. On garde un petit peu espoir. Espoir c'est lui. Parce que sinon demain je pense que je vais passer sur la balance pour voir où il en est. Parce que ça fera 2 jours complets sans manger. Ben, d'ailleurs, soyons honnêtes, ce n'est pas une compote qui va le nourrir. Donc du coup je préfère. Ça ouvre les paquets cadeaux. C'est salut mon cher. Qu'est-ce que c'est, Dan? C'est un camion de pompiers? On sait pas. C'est boîte de pompiers. La boîte, oh, le carton il est trop bien. Regarde, c'est pas des pompiers mon cœur, c'est des voitures de chantier. Oh, oh, cette option est fabuleuse. Maman est ravie. Et toi, mon amour, tu t'en sors? Alors, là. Attends, il nous reste encore un piano pour rentrer à Calais. Vas-y, mon amour, il reste plus que toi. Oh, oh, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est un livre, mon amour. C'est difficile à trouver ça, alors elle a pas été. Ouais. C'est un livre? Oh. Un panda, un lapin, bah dis donc. Waouh, gentil papa Noël, hein, dis donc. Bon, sinon on est en train de s'installer pour passer à table. Gaël nous a ramené ses beaux plateaux de charcuterie. Après on va le mettre. Les plateaux de fromage, les patates. Il a un nouveau marche à rêve. Et on va passer un nouvel an. 56, 57, 58, 59. Il faut le nez, je le refuse. Ça y est. Allez, j'étais 5 ans. Ouais, bravo Gauthier. Bonne année.